Bonjour, internautrices et internautateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. Avec la compagnie des seringues, qui est bien mal en point. On s'était pris quand même. On a eu un gros combat. DB Games est un peu dans le mal, mais nous l'avons emporté. Rude, mais on les a niqués, et ça quand même c'est bon. On les a niqués, on a perdu personne, et c'était quand même pas gagné d'avance, parce que vu l'état des troupes, animaux affamés dans l'enclos, est-ce que j'avais réglé ça? Critique pour les croquettes, oui. J'ai pas de corps, si j'ai des corps à leur faire. Qu'est-ce qui... Katox, qui a l'air d'être plutôt de bonne humeur. Trop lourd. Oh. Va me transporter tes croquettes là. Eh oui, le problème c'est que ça, je suis aussi en critique. Donc il faut que je me mette en important. Là je suis en quoi? Je suis en important aussi. Oh, hop, va donner les croquettes aux bestiaux. Avant qu'ils ne crèvent de faim. Hop là, il va être couché. Quelqu'un qui serait capable de nous transporter. Pourquoi est-ce que les corps ils n'arrivent pas à les trop lourds? Shadow. Non, il ne veut pas non plus les transporter ici. Ce serait bien pourtant. Bon, ça veut pas. Tant pis. Hop, allez, ça va grailler toutes les croquettes d'un coup, forcément. Du coup Katox va aller me faire de la croquettesse. Est-ce que tu l'emmènes au bon endroit? Oui, formidable. J'ai encore des animaux affamés. Non, c'est bon. Ils ont tous pu se nourrir à peu près. De démence extrême carrément pour DB Games. Drone psychique, ah ouais, plus douleur. Gueh. Ah, dur dur. Tiens, mission, hop. Ouais, parce que quand même, en fait, si j'avais plus ça, ça serait quand même plus simple. Tac. Hop. Tirez. Pour les questions de morale, ce serait quand même mieux. Hop. Et puis ça fait plein de trucs. Très bien. Non, pas tout ça. Ça c'est juste transporté. J'ai pas besoin que ce soit du transport urgent. Hop. Voilà. Très bien. Crise de boulimie, souffre moyennement. Bon. Eh ben, on n'y peut pas grand-chose. Bon, je manque pas vraiment d'acier, j'en ai même une quantité assez effarante. Hop, truie à donner sans drillant gestation. Ah
Ah oui, j'ai mon univers volcanique. Toujours chiant en fait d'avoir plusieurs parties parce qu'on sait plus ce qui s'est passé quand on passe de l'une à l'autre. C'est un peu le. Est-ce que tu me fais des plats? Alors, les plats raffinés, tu vas oublier. Tant qu'il y en a un qui est en crise de boulimie, bah. Des visiteurs de la tribu du arbre. Là, j'avais jamais fait gaffe à la traduction. Tribu du arbre, c'est pas mal. Est-ce que j'ai des membres tout perdus? Jambe droite confuse. Wow. Il y a quoi? Ah non, ça va. Au moins 100%. Ah oui, d'accord, c'est que c'était en cours de guérison. Jambe gauche, mais c'est pareil, ça va guérir. Jambe gauche touchée par un tir. Ah. Alors toi, il faudrait que je te t'installe une prothèse que je n'ai pas et que donc il faudrait que je me fasse. Voir une jambe bionique un jour, mais pour l'instant, j'ai pour. Attends, mais j'avais déjà la commande. Prothèse de jambe. Tac, c'était ici. Donc là, elle est à 0 sur 30. Il faut la remplacer. Index gauche. Hop, parfait. Bon, juste une jambe de perdu. Presque rien. Sir Manès est guéri. Henriette, t'en es au ton recrutement 19,3. Des blocs d'ardoise, c'est toujours le drame. Rossignol n'a plus son animation artistique, c'est bien dommage. Ah, c'est non, c'est qu'il vient de faire une oh là là, sculpture en marbre. Chef-d'œuvre. Félicitations. Hop, on va mettre ça dans la salle de jeu. Et la salle d'école. Ah, la crise de boulimie est passée, c'est cool. Voilà, bon c'est bon, on s'en remet. Est-ce que ils ont fini ici? Hop, presque. Tu me fais qu'un tour. Ouais, alors t'es mignon, mais tant que t'es là, hein, tu vas me ramasser tout ça. Non, je vais pas me. Fais-moi transport d'argent de tout ça. Suffit que je le dise. Hop. Ah, le problème c'est que là ça pousse plus trop. Ah, la prothèse de jambe, c'est fait. Onyxtro, tac, 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 installer une prothèse de jambe. Jambe gauche. Pas faire d'erreur. Il paraît qu'il y en a qui parfois le plan de victime. Hop, qu'est-ce qu'ils veulent se... C'est Katox toujours.
meilleur. Hop. Tac. Catox. Hop. Non, je veux pas que ce soit Shadow qui s'en charge. Je veux que ce soit Catox. Opérer. Voilà. Alors, DB Games, t'as perdu ton arme. Et ben, on va t'en redonner une. Fusil d'assaut, fusil à pompe, automatique. Là, tac, dans DB Games. Et là, tac, équipé, fusil à pompe, automatique. Tiens, je me demande si je vais pouvoir avec Catox, je peux lancer épine perçante. Donc du coup, ça lui permet de faire une activité violente entre guillemets. Ce qu'elle ne pouvait pas faire habituellement. Extérieur moins 10, ça va, il fait vraiment froid là. Est-ce que j'ai des problèmes de température ou pas? La cuisine un peu, je pourrais peut-être mettre un frigo dans la cuisine. Un frigo. Henriette, elle a pas chaud. Pourtant, normalement, ça devrait. Comment ça se fait que ça chauffe pas plus? Et que 10 degrés là. Bizarre. Normalement, c'est censé garantir la même température. À la limite, je vais fermer celui-là. Il faut que ça permette de concentrer la chaleur. Hop. Ouais, bof. C'est pas top moumout. Ici, il fait combien? Ah ouais, moins 2. Il fait vraiment froid en fait. Allez, fais-moi un petit radiateur de rab ici. Combien j'ai de composants? J'en ai 18. Très bien. Très très bien. Où est-ce que j'en suis? Assemblage de composants. Très bien. Très très bien. Bon, je suis en train de faire de la caillasse, tout va bien. Et j'ai des colons inactifs. Alors, on va redécaler notre enclos. De toute façon, j'ai plus rien qui pousse ici. Vu les températures, hein. Entre l'automne qui est arrivé et l'hiver volcanique, c'est mort. Donc, je vais déplacer mon enclos par là. Structure, clôture, j'ai plein de bois, ça ne devrait pas être un souci. Hop. Je vais faire longer. Non, il ne faut pas faire longer. Je vais faire là. Attends, d'abord. Ordre tôt ou tard, c'est quand même pas impossible que je me serve de ces deux zones-là. Et voilà. Dans rien construire autour et puis même peut-être bien avec le mu un mur. Non, c'est con ce que je viens de faire. Ou pas. Il vaut mieux quand même que je le protège. Je mettrais peut-être un mur autour.
histoire qu'il s'intéresse à autre chose. Clôture en bois. Tac. Ouais, c'est un peu con de mettre l'enclos sur la zone. Sur la bonne zone. Ah merde. La bonne zone d'agriculture. J'ai un peu de granit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais. Tac. Tôt ou tard, il y a quand même moyen que à cet endroit-là, je construise quelque chose. Hop, de correct. Tac. Je vais jusque-là. Hop. Hop. Hop, je vais jusqu'au bord. Voilà. Ça fera déjà une zone plus grande, je pense, oui. Clairement, ça fait une zone plus grande. Je vais redémarrer doucement. Toi, je vais aller te réinstaller. J'ai fait la porte, alors du coup il faut que je refasse les tables. Je vais pouvoir utiliser ça pour la chauffer, les tables. Je vais la faire par ici. Hop. Je vais la faire calcaire 30. Là, je vais mettre de toute façon du granit. Tac. Calcaire 30. J'en ai 30, non, c'est pas assez. Bon, on va le faire en obsidienne, hein. En ardoise, pardon. Hop. Est-ce que je peux bien construire partout sans problème? Tac. Tac. Ça me fait quoi comme zone? Ça fait du 42 places. C'est très largement suffisant. Il faut que je termine du coup de compléter. Tac, tac, tac. Hop. J'ai tout plein de tissus, donc je vais pouvoir faire des rideaux d'animaux. Hop, ça conserve la chaleur, c'est ça. L'espèce et les animaux tout en isolant le bâtiment, c'est ça. Je con. Je vais faire. Je vais continuer mon mur. Comme ça. Tac. Ici, je vais faire des copies. Tac, tac. Freine le travail pour Ketox. Bien Ketox. Là, je vais faire du coup un évent, température, ventilation.
Je sais pas si, sachant que c'est à l'extérieur, je sais pas en fait si là ça peut servir à quelque chose. Je vais clôturer ça en fait. Du coup, on va balancer la chaleur. Ici. Enclos non clôturé, je sais. Hop. Avec mes croquettes ici. Et là, c'était quoi? Ah oui, il n'y a pas de nutritive. Hop. Donc, copier les paramètres, coller les paramètres. Je le vais, dommage. Zone de stockage, copier, coller. Ok, bon, ça avance. Ça pourrait même me faire, pourquoi pas. Une petite réserve de corps. Hop. Histoire de nourrir les cochons. Pas encore clôturé. J'en ai assez du granit, j'espère. Ouais, si ça devrait pas, ça va être juste. Bon, je vais accélérer un peu. Quel temps tu... Ah oh, putain, construction échouée, ça va être... Ça va être chaud. Non, quel temps. Oh putain, trop de balles. Ah bah oui, je peux plus sortir. Hein. Couillon. Hein. Tout juste de quoi faire. Je fais pas le coin parce que j'en ai pas besoin techniquement pour fermer la zone. Ouais, donc là, il va vite faire chaud. Hop, et la chaleur va se dissiper par là normalement. Copier les paramètres. Et les coller ici. La tome, il a toujours pas, elle a toujours pas récupéré la vache. Continuellement en charge, bordel.
Sors de mon enclos. Putain, vais de la terminer cette prison. Hop, nettoyer. Faudra juste que je fasse gaffe qu'ils m'enferment pas mes gars. Là. Ah, ça commence à venir les sculptures. Tac. Attends, il faut que j'inverse. Tu me diras ce que c'est nécessaire. Parce que finalement, il y a un bœuf pour salle à manger très impressionnante, salle de jeu très impressionnante, et chambre très impressionnante. Classe. C'est bon, l'enclos est fermé. Nickel. Et du coup, en termes de température, c'est pas mal. Oui, il fait même presque chaud. Mais bon. Le moral des animaux n'étant pas ce qu'il y a de plus. Ah ouais, 30. Putain, la vache. Waouh. Je sais pas si ça change quelque chose. Je vais enlever. Étendre la zone à ciel ouvert. Je sais pas si je fais ça par exemple. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il y a une partie de la chaleur qui s'échappe? Ouais. Je vais avoir mes bestiaux qui vont cuire. Peut-être en ouvrir un peu plus. Hop. On verra ce que ça donnera. Ça, la chambre. La chambre avec le truc de gaz, c'est. Le moyen de survie de ceux qui jouent sur les ice sheets, enfin sur la banquise, quoi. Combien est-ce que, en théorie, tu fournis de bouffe ici? Pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a à poil? Mais Damnette qui se balade encore avec la caquette à l'air? C'est pas possible. Mais enfin. Mais enfin. Bon, peut-être que ces trucs étaient un peu HS. T-shirt d'enfant. Pantalon d'enfant. C'est bon, il me reste du tissu. Damnette, quand même, ceci n'est pas très sérieux. Hein. C'est pas des manières. Chef-d'œuvre carrément. Waouh. Pantalon d'enfant en cuir. Chef-d'œuvre, quoi. La grande classe. Voilà. Ah, rossignolé de Tom. Un deuxième mariage. Wouhou. Une brume. Aïe, merde. Brume acide, ça craint. Elle fait quoi? Causée par les pollutions des zones adjacentes. Elle ralentit la croissance des plantes, détériore les objets exposés, dégrade l'humeur. La zone actuelle est un score de pollution de calculé en additionnant les sommes.
Cela signifie en moyenne la brume acide surviendra tous les. Tous les, on sait pas combien de temps. Bon. Entre l'hiver et. Ah non, il n'y a plus l'hiver, j'avais pas fait gaffe. Bon, bah, vive les mariés. Tom et Rossignol. C'est tellement mignon. Et. Non, Bakary, là. Tiens, tu peux me refaire. Bon, tu vas pas me refaire de la bouffe. C'est sans intérieur dans 47 jours. On va peut-être se relancer là-dedans. Quand même relancer un peu la culture. Alors là on est à quoi? 5 degrés du coup. Ah non, 31 degrés. Pousse d'Ambroisie sous l'acide. Ouf, ça alors. Bon, j'ai jamais eu ça. L'ambroisie qui s'invite. Est-ce que carrément ça remplace certaines plantes quoi. C'est vas-y là que je m'installe. J'en ai du bois la vache. C'est quand même tellement bien ces étagères qu'ils ont faites sur cette version du jeu quoi. Tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avant? Est-ce que ça les rend pas trop malades? Non ça va. Ça les empoisonne pas trop. J'ai pas l'impression. Construction de la porte. La neige, c'est. Là, je vais récolter tout ce que je peux récolter. Parce qu'à mon avis, j'ai plus grand-chose qui va pousser avant l'hiver. Ouais, je suis. Pas large en bouffe. Putain, ça va à une telle vitesse quand t'as autant de colons, j'ai pas l'habitude. Allez, me chasser Wapiti. Tac. Du bouquetin. Allez. Hop. Là, je peux la virer celle-ci. Je t'en ai demandé tout. C'est pas le fait que j'en ai autant. 50. C'est suffisant.
Bon, qui sont. On pourrait peut-être aller jusqu'à 20, non? Plat raffiné, plat raffiné, ouais. Pourquoi est-ce que là il n'a pas. C'est chiant qu'ils les mettent d'abord en priorité au fond, quoi. Ça me saoule un peu. Mais tu vois, c'est vrai que j'avais aussi la possibilité, c'est ce que j'avais fait là en fait, c'est de maintenir ça ouvert pour que ça chauffe pas trop. Ouais, je vais plutôt faire ça. Hop. Un chef-d'œuvre, une table de nuit en ardoise. Voir aussi. Tac. Genre l'autre est là. Ça veut quoi les températures? Bon, c'est toujours pas terrible. Hein. Ouais, ça y est. Ça commence à être le drame des plantes. Hop. Est-ce que pour limiter les risques d'évasion, en fait je trouve ça toujours chiant parce que quand il y a une évasion, t'as tout le monde qui se barre d'un coup. À la limite, je vais peut-être. Je vais essayer ça, je vais mettre une porte en ardoise à chaque fois, histoire de cloisonner un peu plus. Hop, et là, une copie. Voilà. Alors du coup, il me faut tac, tac. Canton va faire la chirurgie. Les amis. Mais celui-là, il peut pas. Allez, tac. La belle prison. Ah, fournisseur militaire, demi-sœur de Spike. Qui c'est qui cause dans cette baraque? C'est Lithium, non? De mémoire, c'est Lithium. Est-ce que Lithium est dans le coin? Non. Attendre qu'il se rapproche. Ça y va les sculptures vache j'ai plus de il faut que j'aille rechercher d'autres blocs d'ardoise c'est l'arbre ça j'ai plus de blocs d'ardoise j'ai plus d'époque d'arbre
Calcaire. Tac. Ah, ah oui, ça commence à être loin. Il me reste pas mal, mais... Est-ce que j'en ai... Ils sont tous par en bas ou par la gauche. Et ben, on va déjà récupérer cela. Tac, transporter. Alors, lithium va leur causer les racines. Assemblage de composants formidable. Donc je vais pouvoir faire des composants. Comme j'en manque un peu, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que je veux faire ensuite? Je veux faire quoi? Je pourrais faire du diable d'eau pour plus tard. Ou alors du cacao, on m'avait conseillé. Pour gérer le moral, ça pourrait être une idée. Mais c'est plus long. C'est beaucoup plus long. Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Qu'est-ce qui nous serait vraiment utile? Est-ce que l'utilité est toujours importante? Pas forcément. Les armes de précision, ce serait quand même bien pour avoir les fusils d'assaut. Allez. Faisons encore dans l'utile. Qu'est-ce que tu fous, lithium, là? Alors, rien d'intéressant. Épée longue en métal, chef-d'œuvre. Ouais, mais. Mais je crois que le. Ça baisse pas les dégâts, hein, il me semble. Mais je suis pas sûr de mon coup. Alors, qu'est-ce qui est horrible? Rien. Qu'est-ce qui est médiocre? Plein de choses. Hop. Qu'est-ce qui est normal? De toute façon, t'as pas beaucoup de sous. Il est vendu uranium. Fusil à pompe 41%. Fusil automatique, carabine de survie. Je peux encore en avoir besoin. Fusil à pompe auto. Ça, j'en garde un exemplaire de chaque. Est-ce que le glaive en uranium, je le garde? Elle, par contre, je vais la garder des fois que... Enfin, non, je vais d'abord voir si j'ai pas autre chose. Carabine de survie, j'en ai une excellente. Donc, hop, on dégage. Fusil à pompe, je m'en sers jamais. De toute façon, j'ai l'automatique. Fusil à pompe automatique, bon. Allez, celui-là, il y va aussi. Là, j'ai une veste qui est de qualité bonne. Ah là 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 là, Canton, salut à toi. Encore au taf, mais tu peux pas t'empêcher d'aller sur ton téléphone, hein, je te jure. C'est du propre. Casque renforcé. Ah oui, ça c'est des... Ok, ceux-là sont simples. Donc je les dégage. Je garde les... Non, j'en gardais deux. J'en gardais un. Des fois que les bandeaux, ça j'en ai rien à foutre. Bandoulière, j'en ai rien à foutre aussi. Ah oui, attends, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sous. Alors, je pourrais prendre un minigun, mais je suis pas fan des minigun. Pack de gènes très heureux. Je vais quand même lui répondre par écrit. Des médocs. J'en ai combien de médocs?
J'en ai 50. J'ai peut-être pas besoin d'en racheter plus. Ça, le truc, c'est que je peux pas m'en servir encore parce que j'ai pas la technologie qui va bien. Glaive en métal, bon, 8,27. Épée longue, 8,60. Ouais. C'est plus intéressant. Hache de brèche en métal, hein, 7,17. Mais c'est un peu pourri. En fait, comme stats, ça doit être un chef-d'œuvre, donc. 19% de pénétration d'armure, alors que là, la pénétration d'armure est meilleure. Ouais, j'ai aucun intérêt à prendre cette hache. Globalement, il n'y a pas d'intérêt à prendre grand-chose. Je vais lui prendre l'épée longue normale. Attends. On va voir. Je vais garder mes. Non, j'ai dit que je les gardais. Putain, ça vaut super cher ça. Hop, je vais garder mes. Ça, voilà. Et je vais voir si. Qu'est-ce que j'ai comme arme de mêlée encore? Ah, j'ai ma corne de Trumbo. Qui est très bonne. Oui, donc celle-là est encore très très bonne. Ah, la corne de Trumbo, c'est. C'est pas mieux qu'une. Ah oui, mais c'est un chef-d'œuvre aussi. Bon, je pourrais peut-être m'équiper correctement. T'as plus d'armes. Oui, non, en fait, t'as. Juste que tu l'avais lâché, sans doute en tombant dans les vapes. Alors, mécaque. Je vais faire. Tiens, Sir Madness, c'est un cac aussi. Je vais mettre mécaque en premier. Hop, Shadow, Tom, c'est un cac. Spiky, distance. Distance. Lui, c'est un cac aussi. Onyxtro. Hop. Ok. Rossignol, c'est un cac. Mais c'est un cac. C'est un cac ouvrier, je crois. C'est un Rossignol, ouais. C'est un cac ouvrier, donc je vais plutôt le laisser là. A priori, lui, il ne doit pas être mobilisé. Donc, du coup, Sire, il n'a pas d'armes. Tom n'a pas d'armes. Onyxtro n'a pas d'armes. Oui, en fait, ils étaient un peu tous HS. Ça, tu vas me le transporter en urgence. Histoire que ça ne se dégrade pas plus. Tiens, je suis dans le drame. L'énergie. Waouh, putain. Bon. Je peux faire un atelier de. En plus, je peux faire maintenant un truc qui va me prendre plein d'énergie en plus. Bien. Salut Dargil26, merci pour le follow. Merci beaucoup. Donc, il me reste 1, 2, 3 bonnes armes. 4 bonnes armes. Ouais, j'ai pas besoin d'acheter le. Ah non, parce que j'en ai 2. Donc, Rossignol, c'est un cac. Et Bakari, c'est un cac. Donc, en fait, il me manque une bonne arme. Au cac. Puisque je vais en avoir 4. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai que 3. Donc, il faut que Lycium, tu m'achètes. Il est sur artistique. Il va m'acheter cette épée longue en métal normal que je vais t'échanger contre magnifique. Hop.
Ouais, je vais perdre 3 sous, je pense que je m'en mettrai. Confirmé. Hop. Alors. Donc dans l'ordre, qui c'est le plus costaud? Le moins costaud, c'est Tom. Donc Tom, tu vas t'équiper de ça. Onyxtro, tu vas t'équiper de ça. Sirmanes, tu vas t'équiper, pas t'occuper, de la lance. Hop. Et c'est parti, mon kiki. Donc, illumination artistique pour Shadow. C'est dommage parce que tu construis rien du tout. Donc, bah, aurait été mieux si tu m'avais fait autre chose. Et Canton qui veut faire de la chirurgie, ce sera pas pour tout de suite. Alors, eh oui, j'ai ça qui va me prendre, qui doit me prendre de la du cours en plus. Ceci dit, pour l'instant, j'ai pas besoin de les activer, ceux-là. Mais il me faut plus d'énergie. Manque d'énergie. Qu'est-ce que j'en sais? Ah, je vais faire. Maintenant que je m'en suis rapproché, l'énergie géothermique. J'en ai quand même deux là à équiper, à utiliser. Il faut que je le fasse. En priorité haute seulement, histoire qu'il me les rebalance au frigo. Parachutage de pollution, j'en veux toujours pas de ah, noyau, il y a putain. Ah ouais, ça peut être utile. 296 déchets toxiques. Ça veut dire qu'il faut que je me fasse un frigo. Disponible dans 6 jours. Que je me fasse un frigo, que bah, j'espère qu'il n'y ait pas de soucis derrière. Que je congèle le bordel. Bon, ça pourrait être une idée, ceci dit, parce que bah, si je prétends un jour faire un vaisseau, je vais en avoir besoin de cette récompense. Le noyau d'IA de personnalité. C'est ça, hein, il me semble. Hyper lancé, ouais, c'est ça. 296, ça en fait du bordel. Bon, allez. On va se faire se préparer un frigo ici. Hop. 296, je vais sortir la calculatrice, hein, puisque je peux en mettre 5 par c'est par paquet de 5. Hop, j'ai besoin de 75. Hop.
Et sans doute trop, c'est pas bien grave. Donc il va falloir que je me fasse un truc pour fabriquer des composants normaux. Mais pour ça, j'ai encore un stockage qui est un peu petit tout, bordel de chmurne. Bordel de chmurne. Bon, c'est le drame sur le. Ça, je démolisse. Ça aussi. Je vais refaire un autre générateur à bois. Hein. Voire deux temporairement, ça me coûte 100 acier, deux composants, je les ai largement. Hop. Et puis là, hop. J'ai besoin de maintenir ouvert. Caneton mange un peu de démogène, c'est bien. Et se repose ensuite. Oui. Tudut, 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 tudut. Hop, je pourrais faire du carrelage. Toujours en ardoise. Tac. 64 par pièce. J'en suis où là en température? Ah oui, tout de suite, il fait moins chaud. Ouais, ça va, tant qu'il fait 4-5, ça va. Et un raid 1375. Oh putain, ils sont juste sur moi là. Ça va être chaud. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a la caravane. Alors, donc, il faut que j'ai d'aggro. Qui est-ce qui tire de loin? C'est deux. De mémoire Scorch et tac, allez, debout debout la troupe parce que là de toute façon ça va péter tout de suite. Je sens que mes animaux je vais en avoir très vite beaucoup moins. On va sauver. Ça arrive d'être sauvage. Oui, sauvage. Tac. Bon, c'est très bien. Ils vont se fighter la caravane. Hop, donc on va rester en retrait. On va faire une jolie ligne pour les assister, pour défendre les animaux. Hop, on va ralentir un peu. Tac. Bim, bim, bim. Au feu, ouais, bah, ça attendra un peu. Qu'est-ce qui balance du feu comme ça? Ah putain, là, c'est des arcs de feu. Je vais me mettre derrière eux. Prenez les coups à ma place. Les diabolotins lancent l'assaut. Déconne. J'avais pas remarqué.
Bon. Tout va bien. Le ménage est fait. Parfait. Ça, j'adore. Les petits raids comme ça, franchement, moi, c'est quand il veut. Hop. On va juste s'assurer que il a bien tout éteint. Zone note. Hop. On va s'assurer de bien tout éteindre. Tiens, il y a un truc que je voulais faire. C'était que mes. Ouais, lui, il est carrément en non. Et Katox, je vais mettre en 4 sur la combattre le feu quand même parce qu'ils aiment pas bien les vampires. Hein. Alors, est-ce que j'ai du monde que je peux récupérer, même si j'ai déjà pas mal de monde. Alors, un bon mineur, un bon tireur, qui fait ni médecin ni nourrice, c'est pas très grave. Mauviette, c'est pas très très grave. Ça peut le faire. Allez. Mes médecins, Katox et Canton. Katox est à la perpète. Et Canton, il est là. Pourquoi il est... Ouais. Ah oui, bah, c'est normal. Il bleed out dans 5 heures. Est-ce qu'il a des trucs de pété? Non. Donc, Canton va me sauver. Ah, loyauté inébranlable. Loyauté inébranlable. Tiens, Fitz, il faudrait que je... Madame ici. Loyauté inébranlable, ça veut dire que... tac. Ça veut dire que ça peut que être... Bah, un mec à qui on va retirer des organes, hein. Donc tu vas effectivement le secourir pour mieux le découper. Alors, toi, tu as qu'une vieille blessure par balle. Tu es un très bon mineur. Tu es belle. Un peu de cuisine, un peu d'artisanat, un peu d'intellectuel. T'es pas mal aussi. Hein. C'est tout ce qui a survécu, j'ai l'impression. Alors... Donc tu vas après Canton et Katox et Sirmenes. Tu vas me sauver celle-ci. Hop. Et ensuite, tac. Fuis le feu, Canton. Ah oui, forcément. Donc ça veut dire que c'est pas Canton qui va sauver ma nénette, mais Lucium Shadow. Shadow, tu vas sauver notre réserve d'organes. Ok, alors c'est un peu con qu'il s'en aille, j'aurais bien fait encore un peu de commerce avec lui. Bon. Encore un plan qui déroule sans accroc. Où est-ce qu'il y a du feu? Bah. Eh mes mères là. C'est ça que t'appelles du feu, non mais oh. J'ai fait un peu t'améliorer là. Maladie grave. Tac. Alors, toi, on avait dit qu'on te recrutait. C'est ça, hein? Ouais. Par contre, toi, on a dit... que tu devenais une banque d'organes.
Une banque d'organes. On va choper un poumon. On va choper un rein. Et on va choper un foie, puis un cœur. Et normalement, avec ça, il est habillé pour l'hiver. Tac. C'est pas la peine de trop le soigner. Canton. Alors, quand tu auras fini de faire ton générateur à bois, tu me feras le plaisir d'aller opérer machin. Tac. M'énerve ça. Ça m'énerve. Tac, j'ai dit opérer. Je suis sûr en plus que la première opération va réussir. De ma gueule, sérieux? Je comprends pas ça. J'impose un truc et il le fait pour. C'est un peu saoulant. C'est pas la peine de te nourrir. Hop. Continue. Saoule. Non. Oh, pas zut alors. Il a pas voulu me donner son cœur en plus de son foie. Franchement, c'est moche. Est-ce que les cochons? Oui, c'est bon. Les cochons, on leur a donné à manger. Alors, ceci dit, j'ai libéré ici de la place. Donc je pourrais déjà récupérer toute cette place. Tac. Hop. Il fait quelle température là-dedans? Ouah, 73 degrés. Damned va mourir ça. Bien. Alors, maintenant que j'ai récupéré cette zone-là, est-ce que j'ai fait la connerie? Non. Putain, c'est une blague avec... Avec 2000 watts de plus, j'arrive pas à tout gérer quoi. Ah ouais, mais c'est ça qui tient hyper chaud, c'est vrai. Alors, j'ai récupéré ça. Pour les parties communes, je pourrais agrandir mon hôpital et déplacer la chambre de notre couple primogénérateur. Putain, c'est... Je suis où là? Ouais, ça n'a pas beaucoup bougé.
Énergie géothermique. Ah ben, le truc, c'est qu'en même temps, si j'ai pas le... Désactiver ça, ça coûte, ça bouffe 200. Bon, c'est toujours 200 de gagné. Comme ça, c'est que comme j'en ai besoin, que ça s'utilise. Toi, j'ai pas besoin de toi. Cougar, pris en chef, Bakari. Alors, où est-ce qu'il est, Bakari? Il est là. DB Games avec Bakari. Vous allez chercher quoi? Les caillasses. T'es pas vraiment un warrior, toi. Le truc, c'est que il faudra un peu de temps avant qu'elle m'ait rejoint. Donc, je devrais pouvoir rejoindre des copains. Hop. Tester ça. S'il a le temps d'arriver jusque-là. Ce qui n'est pas sûr. Problème réglé. Tac. Hop. Tac. Un peu plus de bidoche. Oui, donc je pourrais mettre la chambre nuptiale par ici pour pouvoir agrandir mon hosto. Parce que quand même avec tout le monde que j'ai ici, bah, j'ai un peu de drame. Je pourrais péter tout ça. Tiens, est-ce que j'ai crevé mon trou? Pas encore. Ou pas beaucoup, hein. Ils sont pas pressés, les gars. Et là, les mineurs. Menace qui tombe là. Allez, putain, au boulot. Tac. C'est pour le diapo personnalisé. Pas le choix. Quel temps il y a moins vite. Putain, Madness, c'est une mitraillette, quoi. La vache. Putain, il te fait ça à une vitesse. Alors, le truc qui va être chiant, c'est que avec mon... En faisant un frigo ici... Ah, oh, putain, j'y ai pas pensé, ça. Je vais avoir un problème de... Bah, de courant. Il va me falloir... Ah, ça y est, Henriette va bientôt être recrutée. Il va me falloir du coup un peu con. C'est un peu con. Un générateur. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Et le problème, c'est que s'il y a un raid à tous les coups. Ils vont se faire, ça va se faire démonter hein, au moins deux. Nouvelle recrue Henriette. Voilà notre troisième vampire. Alors Henriette, en tant que vampire combattante, très bien. Mêlée, deux étoiles, parfait. Est-ce que tu as une arme? Non, t'as pas d'arme de caca à équiper. Ça, c'est un peu con-con quand même. Rossignol, bah tu vas lâcher ton arme. Hop. Et
Henriette, hop, tu vas passer là, tac, et tu iras t'équiper ensuite. Ouais. Équipé de ça, oh, ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, donc il faut que je te mette des habits de soldat. Hop, une assignation, t'as quoi? T'es pas spécialement noctambule. Bonne mémoire délicat, hypersensibilité. Donc tu n'es pas noctambule. Tac tac. Hop. Voilà. Et on s'équipe. Vêtements chauds recrit. Et ben oui. Ils ont tous. Ils risquent tous d'avoir un peu froid. Ça va être le moment de refaire bonnet, parka. Oui, ils ont tout ce qu'ils font parka. Encore un raid. Ouf, 1500. Ça monte. Et en nacelle de transport. Hop, sauron. T'as la vache. Il les enchaîne, hein. Alors, ils arrivent ici. Ils arrivent du bon côté par rapport à mes. Ouais. Oh putain, fusil de précision, fait chier. Ça tire de loin, ces saloperies. Il faudrait que je définisse une zone quand même restreinte dans laquelle. Ils vont essayer de rester. Quand il y a combat, c'est quand même mieux s'ils sont par là. Hop. Tac. 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 Hop. Bon, les limites, les animaux, c'est pas bien grave. Hein. Donc ça va s'appeler zone sûre. Zone de base. Elle n'est pas vraiment sûre non plus. Et tac, zone de base. Paf. On évite d'aller se balader trop loin. Donc il y a des gros vilains pas beaux. Alors ça j'avais constaté, c'est lié, j'ai vu sur une autre partie où j'ai également deux vampires, ça ne peut être lié qu'à un seul, donc il faut bien en faire deux. Et là il marque celui définitivement. Donc, de toute façon ça il va m'en falloir un deuxième. J'ai 9 composants, c'est pas ouf. C'est pas le plus urgent. J'en suis du repos de la mort, ça ira encore. Hop, bien. Eh ben, on va voir. Hein. Ça donne quoi comme température? En dehors du frigo. Ouais, là forcément il fait pas chaud, c'est assez grand. Peut-être que prêt à récolter. Croissance, putain, 280% la vache. Puis degré, ça me Canton de nouveau propice à la chirurgie. Ok. Bah. Attendons le fight. Bon, ceci dit, je n'ai pas résolu ma question.
ce que je fais ici. Parce que ce sera quand même pas idéal. Allez, c'est parti. Tac. Il me sélectionne. Tac. On va même rajouter l'initium. J'ai rien pour me protéger. C'est n'importe quoi. Je pourrais moi faire des sacs de sable. Je sais pas. Tout cela est-il bien raisonnable, hein? C'est pour sûr. Qu'est-ce qui tire loin? Hop. Il va être sans doute le premier à pouvoir les shooter. Les autres pendant ce temps, je vais les mettre là. Storch. Ok. Katox à la maison. Bon. Je vais en mettre d'autres en embuscade. Des fois qu'ils cherchent à passer par d'autres côtés. Tac. Henriette. Tac, là. Ici. Ici. Hop. Tac. Tom. Ok. Allez, ça shoot. Ça shoot. Et ça y va. À coup. Il est où son fusil de précision là? Il est là. Quoi est-ce qu'il en a? Je sais pas. On va voir. Tac. Gains blessés. Oh putain, l'ithium. Ouf. Belle de mitrailleuse. Bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Kenton, on les rescousse, hein. Hop, Sir Madness aussi. Alors, il a pas l'air de vouloir passer de ce côté-là. Je vais lancer un peu Spikey. Tac. Hop. Shadow, Henriette, je vais faire jump sur son fusil de précision. Si je vais faire reculer là. Merde. C'est trop de choses. Henriette, jump sur lui déjà. Hop. Bim. Kenton, jump. Oh, saleté. Saleté. Oh, putain, en approchant, ils se font défoncer. Ah, là, tu m'étonnes. Ah, le coup de fusil à pompe en au cac, quoi. Bon, ça, c'est fait. Ok. Ensuite... Tac, Shadow, tu t'approches. Et
éternel aussi. Tac. TB Games, Lithium, tu vas te faire soigner. TB Games, tu t'approches. Hop. Ici. Canton. Tac. Voilà. Tout d'un coup, comme ça. Spike qui était trop loin. Ouah, putain, Nyxtro, il prend cher. Bordel. Allez, bim. Est-ce que j'essaye d'en choper en plus? Oh putain, Kenton et HS. J'y ai pas mal. Fusil de précision. Il est pas biocodé. Fusil de précision normale. C'est pas ouf les fusils de précision, mais c'est bien quand tu peux en choper un. Ouh, lui. Ce serait bien si j'arrivais à le pécho. Avec son armure de commando. Et lui, il a quoi? Non, loupe. Bon, fusil de précision, c'est pas ouf quand même. Mais là, je vais peut-être essayer de le jouer. En lui sautant dessus. Tac. Toi, tu commences à aller vraiment trop loin. On oublie. Non, tu vas secouer un machin. Dans ma NES. Oh, bande de quiche. Oh putain de merde. Bah c'est raté. Tapis, Kenton s'est remis tout seul comme un grand, c'est bien mon coco. Ah, bon, je vais choper un fusil de précision, c'est pas mal. Lui, tant pis, je ne l'aurai pas. Hop. Il faut faire un petit rescue sur Nyxtro, là. Tac. Lui, qu'est-ce qu'il vaut? Il s'est remis debout, lui? Ah non. Qu'est-ce qu'il vaut? Optimiste agile traînard, j'aime pas les traînards. C'est chiant là. C'est un bon artisan, mais. Animaux. TB Games, ouais, il n'a que 11. Je crois que ouais, c'est 10 pour les Trumbo. T'as pas de matériel, c'est un peu con. Agile, c'est bien. Cuisine artisanat. Ouais, il est pas mauvais non plus. Bon, allez. Il y aura. C'est Éternel qui va te capturer. Hop. Alors, on est parti à la pêche au moule. Tac, tac, tac. Je vais juste pas mettre en urgence. Tac, tac, tac. Putain, il y a un des sous. Vache. Hop, tac, tac, tac. Tac, tac.
Allez, là je la fais en raid. Oh, j'ai envie de tester quand même. Ah non, il est trop. Ouais, tant pis. Là je la ferme. Tom, tac. Shadow, tac. DB Games, tac. Et c'est bon. Katox, qu'est-ce que t'es en train de foutre? Ouais, tu recrutes. Ouais, c'est bien, mais quand même, si tu pouvais les soigner, ce serait mieux. Allez, termine de causer, voilà. Ok, très bien. Tu soignes. Non, bah, elle va soigner Onyxtro déjà. Hein. Qu'est-ce que tu me fous, Lycium? T'es en bling out. Mais c'est vrai que c'est comme il commence à avoir pas mal de protection. C'est vrai que du coup, on a l'impression qu'il perd plein de sous. Ouh, sur Menace là. Tac. Ah, il faut vraiment que j'augmente mon. J'ai trop de gens. J'ai besoin d'un hôpital plus grand là. Ah, c'est con, j'aurais pu essayer d'utiliser mon mortier, j'y ai pas pensé. Allez, tous les cadavres là, tac. Autorisé. Bien. Hop, toi, on a dit qu'on te recrutait. J'ai de nouveau de la caillasse. Vers ici. Le plus intelligent, ce serait ça. Ça fait quoi? 100 pour 2. Ouais, c'est le même. J'ai pas besoin de beaucoup de puissance, mais. Structure. Hop. J'ai pas de granit. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Et une zone de stockage dans laquelle tu mettras que des trucs toxiques à la con. Hop, tout effacé, priorité critique, toxique. Les déchets toxiques. Putain, ils sont là, pas de nutritifs, merde. Ketox, t'es où? Tu t'occupes de Chobiti? Bah oui, parce que c'est vrai que. Infection pour Surmanel, bah oui, c'est pas tellement surprenant. Et pourquoi c'est toi qui nourris les patients là, sérieux. Je suis pas d'accord là.
Je suis pas d'accord. Va t'allonger. Structure. Mobilier. C'est pas top, mais je préfère que tu sois ici que en train de t'occuper. Des patients, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Et non, je suis désolé, tu vas pas enseigner une leçon. Sir Manès, putain, t'es chiant. Hein. Je t'ai dit de te reposer, bordel de merde. Et j'ai besoin que tu cuisines, Canton. J'ai besoin. Sois une shadow. Ou shadow. Lila. Bah, Canton, tu vas commencer par soigner. Henriette, elle a combien en soins? Médecine, elle est nulle, Henriette. Canton, hop, priorité, soigne. Bien, affection, qualité 100%, ça me va. Pas ce bruit. Stressant. Ah putain, une autre infection chez machin. Canton, tu pionces, ouais, tu penseras plus tard. Il me faudrait ici un petit étagère. Petite étagère avec des herbes médicinales. Eh putain! Chier. Ouf, mildiou en plein hiver. Bah, comment ça, hein? C'est ce que je t'ai dit. De toute façon, t'auras du mal à te répandre. Hein? Bien, allez, on va préparer la troisième chambre conjugale. Tac. On va la faire aussi, c'est pas mal en fait en long comme ça. Le format me convient pas mal en fait. J'avais fait quoi? J'avais fait 12 par 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, addition 12 par 7. Non, là j'ai fait 8. Et ben allez, ça sera un peu plus grand. Tac, tac. Une porte là. Une deuxième porte là. Selon là où vous voulez aller. Du carrelage. Ah tiens, je vais faire.
Alors, carrelage en ardoise. Deux par deux. Hop. Oh! Coucou Nico! Ouais, enfin, non, mais je te permets pas. Quand vas-tu? Monsieur Rossignol. Hop. Je vais faire mon... le carrelage damier. Itotep. Ouais, Itotep aussi. Ouais, bah ça commence à ressembler un peu à quelque chose, oui, quand même. Ouais, mais quand on rate les différents lives, du coup, on peut pas suivre. Hein. Je viens de subir deux gros raids. Un peu sévères. Alors, non. En, techniquement, en fait, j'en ai subi qu'un parce que sur le deuxième, comme il y avait. Il y avait une caravane qui m'a aidé à les défoncer. C'était assez peinard. Le deuxième était un peu sévère. Hop. Ah oui, je voulais mettre aussi du pavement en ardoise. Parce qu'en fait, ça les fera aller plus rapidement quand même. Ça les fera marcher plus vite. Hop, tac. 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 Là, on laisse de la terre battue pour des questions de propreté. Ça, je vais pouvoir le faire péter aussi. En fait, il faut. Henriette, qu'est-ce qu'il fout là, Henriette? Henriette, elle va aller là. Tac. Les trucs là, je voulais les. Fitz, du coup, t'es quoi, Fitz? T'es ma réserve d'hémogène. Hop, tu vas aller là, Fitz. Hop, tiens. Ouais, je fais de l'art, bah, c'est joli. J'aime bien le damier noir et blanc. En carrelage, je trouve ça assez classe, en fait. En même temps, tu vois des. Sur des streams ou des vidéos, tu vois des mecs qui font des bases, mais elles sont tellement. C'est tellement ouf quoi ce qu'ils sont capables de faire. Toi, tu te fais des pauvres trucs, alors certes, c'est fonctionnel. Et en général, c'est vrai que bah, quand c'est beau, c'est moins fonctionnel. Mais il y en a quand même qui ont vraiment de la gueule, quoi. Ouais, c'est pas faux. Là, j'en ai combien maintenant? Un, deux, trois, quatre. Ah, ça claque moins marbre et calcaire. Enfin, marbre et granit. Non, je vais y arriver. Marbre et ardoise. Que calcaire et ardoise. Le calcaire est plus blanc que le marbre. Attends, termine ta pièce. En fait, j'aurais pas dû faire les deux en même temps. Tac. D'abord terminer ça. Et ensuite. Bah, techniquement, tu me regardes un peu. Ensuite, tu me dis, putain, j'aurais pas du tout fait comme ça. Ah merde, je viens. Je l'ai pas vu.
J'avais un vaisseau que j'ai zappé. Enfin, un vaisseau commercial. C'est con parce que. Il y avait certainement plein de trucs intéressants à leur filer. Il voudrait pas me. Comment ça se fait qu'ils n'aillent pas me chercher les trucs en transport plus là? Pourquoi est-ce qu'ils font les constructions? Tac, tac. Art pour Spiky et Volkov. C'est bien, mais c'est quand même pas. Attends, termine-le quand même. Coco. Quand il reste 10, ça me saoule ça qui. Ouais, mais. Est-ce vraiment de. Est-ce que tu me connais vraiment? Tu me connais bien sur Warhammer, tu me connais bien sur. Bon, ça, c'est déjà mieux. Bon, ça me saoule un peu par contre. Ah, est-ce que par hasard. Bah non, j'ai plein de place en plus. Oh chier. C'est qui mes nocturnes là? Hop. J'essaie de le recruter. Tac. Mes nocturnes, on a dit que c'était Rossignol et Dakari. Rossignol, il fait pas de transport, c'est ça? Hein? Hein? Dis Rossignol que tu fais pas de transport, mais si tu fais du transport. Je vais passer tout le monde en deux, fais chier. T'es pas transporteur routier. J'étais pourtant persuadé. Et Bakary, pourquoi est-ce qu'il veut pas transporter? Ah, en dehors de. Putain, le con! Le grand classique. Paf! Quel con! Ah, ça me saoule ça. Les autorisations que tu penses pas remettre ensuite. Du coup, zone étant la zone autorisée. Ouais. T'as voulu pas me terminer cette pièce-là, bordel. De poulet. Bon, avec le monde que j'ai, au niveau des geôliers, je vais peut-être faire un peu plus le difficile. Tac, tac. Un shadow, je vais le passer en deux. Maladie grave. T'en es où? Bah, c'est bon, t'as développé l'immunité. Qu'est-ce que tu te plains? Alors, c'est bien ça, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Tout effacer. Herbe de vie. Non, c'est pas ça. C'est herbe médicinale. En critique. Tac. Ok, la pièce est en gros finie. On va donc déplacer tout ce petit monde. Alors, la chambre nuptiale. Tac, histoire de bien montrer. Attends, de toute façon, je mets la chambre d'un côté et le.
Chambre, je la mets là. Avec la table de nuit. Les normales, je pourrais peut-être leur faire une vraie table de nuit. Hop, démouille-moi ça. Commode, hop, démouille-moi ça. Tac. Fais-moi une table de nuit en jade, il me reste 95. Voilà, fais-les en marbre, j'en ai 64. Allez, le marbre, c'est beau. La commode, tac, 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 en marbre. Tac, un peu plus de lumière peut-être. Tac, tac, est-ce que j'ai du courant là ou pas? Donc ça, on le défonce. Les décorations pour bébé, on les met là. Hop. Avec les joujoux, on déplace Chobiti. Je peux pas le faire. Si. Le berceau, je pourrais faire un berceau un peu plus classe aussi quand même. Mobilier. Berceau en jade, allez! Même que. Hop, ça, on va le réinstaller par là. À côté du berceau. Et puis, du coup, ben, on va réinstaller nos systèmes de survie pour vampire. Tac, comme ça et comme ça. Tac. Donc celui-là, c'est caneton. Hop, hop, hop. Attends, 7 degrés. Ah oui, il n'y a plus l'ordinateur. Ça déjà. Alors là, c'est pour Chobiti. Tac. Drôme psychique. Salut, Sire. T'as pris cher dans le combat précédent. T'es pris des grosses bastos dans la tronche. Mais tu as résisté. T'as juste développé une légère infection. Donc ça, il faut que ce soit à caneton. Hop. Et celui-là, ah, Katox. Ah merde, il m'en faut un troisième pour la mère Henriette. Eh oui, c'était pas ta guerre, bah si. Si, c'était ta guerre et tu leur as niqué la tronche. Bon, les autres l'ont mieux fait que toi, mais. Allez, on va faire tomber ce mur et on va agrandir notre hosto. Tac. Tac. Hop, température climatisée, grand luxe. Shadow, qu'est-ce qui va pas, mon petit Shadow?
trouble psychique moyen. Ça, malheureusement. J'y peux pas grand-chose. Bon, la bouffe, c'est géré, on est toujours que en automne. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui devrait aller faire un gros dodo? Henriette en particulier. Bah, il va quand même vraiment falloir que je lui fasse une un sarcophage aussi. Avec au moins c'est quoi 103. Oh putain, je suis en dèche de. Je me suis pas occupé de faire. Ouais, j'ai 3 vampires maintenant. En fait, oh, Shadow, il est vraiment dans le mal là. Fini les plus. Donc il y a. J'ai une mission en fait où il y a elle qui atterrit. Et en fait, les personnages comme ça, tu peux implanter les gènes. Donc tu peux transmettre en quelque sorte certains gènes à d'autres persos. Et donc j'ai transmis le gène à Catox, femme de Surcanton. Voilà, donc maintenant c'est un couple de vampires, de sangophages. Et puis bah et ensuite j'ai recruté Henriette. Voilà. Donc du coup voilà. Ouais, c'est ça, des MST. Bon, j'ai plein de. Je pourrais peut-être leur mettre une. Damned est toujours un ado, ouais. C'est un ado de 8 ans et 13 jours. Il a fait déjà une première poussée de croissance au bout de ses 7 ans. Qui était pas terrible, terrible. J'ai eu des propositions qui n'étaient pas géniales. Alors, la quête expire dans l'inventaire. Bah oui, je me doute. Où est-ce que t'en es de. Tu verras, je peux l'accepter. Allez, je vais l'accepter, puis je mettrai. Ça va pas se détériorer absolument tout de suite, normalement. Et donc ils ont et comment Canton et Catox ont eu une fille qui s'appelle Chobitis. Qui est achevée. Tac. Alors les capsules sont arrivées. Le noyau d'IA, c'est très bien. Hop. Transport urgent. Par contre les déchets. Ça fait quelle quantité? Bleh, caca. Caca, puis c'est super loin quoi. Ah, tu me transportes ça, très bien. Qui est-ce qui construit d'autres? C'est constructeur, c'est Tom. Tac, est-ce qu'il me reste? Oui. Transport déchets. Attends, va d'abord me faire ça, la porte. Tac.
Bon, Éternel va me terminer ça, très bien. Tom, qu'est-ce que tu fous? D'accord. Hop. Hop. Non, c'est bon, c'est qu'un lynx. Alors, d'après en chasse, torche. Ben, je vais te torcher la gueule. Bon, Kenton, tu fous quoi là? Putain. On va chercher un composant, quoi. Qui est pas content, Storch? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Putain. Il manque un composant. Non! Bordel! Bordel de merde. Fuck, 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 merde, bite. Con. Chiotte. Oh, tiens, navette écrasée. Là-dedans, il y a des composants. C'est ça! Allez, va me... Toi, c'est pareil, tu te fous un peu de ma gueule quand même, hein. Je t'avais demandé de faire la porte. Espèce d'icounasse. Tu m'as pas écouté, hein. Sanglier s'est laissé apprivoiser. Tiens, de la bidoche. Ne peut pas, manque des blocs d'ardoise. Non! Putain de merde de ch... Il manque pas des blocs d'ardoise. Hop, pour ta peine. Tac. Ça. Hop, tu dormiras pas. Naméo, punition. Kenton, Naméo. Hop, tac, tap, tap, tap. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Toi non plus, tu dormiras pas. Tac. On a dit qu'il y avait un sanglier qui allait se faire défoncer la chatrouille. Parce que franchement, le sanglier, j'en ai rien à secouer. Hop. Merci de terminer dans mon assiette en civet. Ah merde, ils les ont amenés où? Et l'hiver commence. Bien, il me manque juste du bois maintenant. Et ça, c'est pas trop dur, donc quoi. Hop. Tac.
Ketox, c'est ce que tu sais faire. Agriculture, bof, mais tu vas quand même le faire. Lithium. Non, t'es pire. Henriette. Non. Rossignol. Non plus. Putain! Que des quiches en agriculture. C'est Ketox la moins quiche. Hop. Tac, allez, tout le monde en fait un petit peu. Henriette, elle est pas mal. Hein. Plus les plantes. Ça, c'est une erreur. Tout le monde devrait être forestier. Hop, Henriette. On fait tout ça et ensuite vous allez au coucher. Non, Katox. Tac. Et voilà. C'est réfrigéré. Renard rousse dans un enclos. Bon, ça c'est fait. Bon, ben, ceci dit, je vais m'arrêter là. Rage meurtrière. Carrément rage meurtrière, quoi. Je vais tuer Fitz. Mais c'est ma réserve de sang, Fitz. T'as la vache. Très fatigué, il y a 14 de... Oh là. Ah oui, il y a le drone psychique en plus. Mince zut, lithium, tu peux pas essayer de le raisonner. Ouais, mais si je l'arrête, ça veut dire qu'il faut que je le recrute de nouveau. C'est chiant, ça. Mais bon, sinon il va me buter Fitz. Ouais. Hop. On va se calmer. On va se calmer. Un petit tour en cellule de grisement, ça fera jamais de mal. Hop. Tac. Hop, recruter. Ouais, 14 de résistance quand même. Juste à côté de Fitz, bah oui. Redzich. Ah, c'est... Les cadavres qui se font bouffer par les sangliers. C'est magnifique. Ah merde, putain, là il m'a foutu ça. Très mauvaise idée. Pourquoi est-ce que tu m'as mis... Bordel. C'est ça. Bon, j'avais dit que j'allais m'arrêter. DB Games, Tom. Sir Manes. Qui a merde, je vous ai pas remis son arme. Il fait combien? Pourquoi c'est le ciel ouvert? Ta sœur est à ciel ouvert? Zone. Pourquoi tu me dis que c'est à ciel ouvert, ça? Sérieux? Si je paye la clim, hein, c'est pas pour rien.
Hop. Bon, donc sur Madness, bah, il est juste avec ses points. Et puis toi, bah, tu vas courir. Tom, tac. Saleté. Bim. Allez. Défonce-lui sa tronche. Pas Tom. Hop. Bien. Problème réglé. Tac. Non. Allez. Tac. Ça aussi. Transport. Ouais, ça va être tout juste hein, la taille de mon truc, hein. Attends, les trucs que t'as coupés, des charges. Tu vas me laisser là quand même. Tu vas faire une décharge de bois en mode critique. Tout effacer. En mode critique. Tac. Voilà, là c'est plus à ciel ouvert. Ah oui, c'est à ciel ouvert, ça doit être comme j'ai fait le trou pour la clim. Alors si j'étais malin, pour éviter. Mais ça c'est vraiment que si je suis malin. Pour éviter d'avoir des emmerdes. En lien avec. Merde, mais quel con! Abruti. Putain. Je vais éviter de me faire attaquer ici, je pourrais faire une double enceinte. Pour être une idée. Mais ce sera pas pour tout. Le truc plus important, plus urgent à faire dans ma base. Un chêne. Caravane marche. Ah, pourquoi c'est là ça? Fille d'assaut. Et où est-ce qu'ils l'ont foutu tout seul? Je comprends pas ce qu'ils ont fait de ces déchets. Je pige pas. La peau compris. La peau compris, la peau compris. Shadow est pas content. Manger un repas avec de la pâte nutritive. Oh fuck. Si je devais arrêter, oh ça va. Vous êtes désagréable ou non. Ah bah commercer avant. Commerce, commerce, commerce. Stop, 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 stop. Stop, stop. Don't move. Fuck you. Fuck you. Non. Putain. Ah, chier. Bon allez. Je vous fais des bisous les gens. Est-ce que je fais un petit raid? Est-ce que je fais un petit raid? Est-ce que je fais un petit raid? Il y a des gens que tu connais, Sir?
chez qui je pourrais nous renvoyer. Morrigan éventuellement, qui... Morrigan seulement, allez. Et ben je fais un petit raid sur Morrigan. Donc slash raid, j'écris MO2RIGH4N. Hop. Raid a été créé. Allez, merci à vous les gars. À bientôt. Tac. Let's go. Merci les judiciaires, bienvenue. Un certain nombre de corps d'anciens employés ont été trouvés dans le centre de contrôle. Ils sont longs, congelés et grandement dégradés. Après examiner leur plaque d'identification, le propriétaire a retrouvé son arrière-petit-fils. Il démantèle que... Il demande que les corps soient rapatriés à bord du Tycoon et que le manifeste du personnel du centre soit analysé afin de déterminer s'il existe des liens entre les défunts et l'équipage actuel. Profilage psychanalytique suggère que il présente un comportement déviant caractéristique du mal de la Terre morte. Salut au signal, salut salut. Bienvenue. Je crois que là si je fais shout-out, ça va marcher parce que j'ai déjà fait il y a pas longtemps. C'est si long à écrire. Les jeux. Tu vas bien en tout cas? Dis signe. Ah si c'est bon, ça a marché. Il y a un délai, je crois, d'un coup d'arme. Honorer les morts, allons-y, allons-y. Honorons les morts. Il n'y a pas de souci. Ben ouais, ça va bien, ça va bien.